Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oula, j'ai... Est-ce que ça va? Allô? Ouais. C'est le bon micro, ok, nickel, parfait. J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour la suite de la PCM World Cup. Aujourd'hui c'est le jour 5. Ce qui nous attend, vous l'avez à votre écran, c'est le 200 mètres lancé, le 200 mètres time trial comme vous voulez. Puis on suivra avec l'Omnium. L'Omnium qui a un cumulé de 200 mètres lancé, d'éliminatoire, de course au point et de scratch. Bref, du lourd pour ce soir. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le stream. J'ai baissé un peu ma musique dans mes oreilles, pas dans les vôtres. Parce que, dites-moi dans le chat si ça va au niveau de la musique. J'espère que ça va. Elle est pas trop forte, j'espère qu'elle couvre pas trop ma belle voix, tu vois. Mais sinon, ouais, j'espère que ça va. Bref, aujourd'hui, donc comme je disais, on se retrouve pour du 200 mètres lancé. Tout d'abord. Moi, je vais mettre PCM sous mes yeux en attendant que mon groupe arrive. Et puis voilà, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, comme je disais. Alors, je m'excuse, hier j'ai pas pu stream parce que tout simplement, je ne participais pas à l'épreuve. Donc voilà, et en plus j'avais pas trop le temps. Donc voilà, et puis voilà, mais j'espère que je pourrai être là pour les inline, mais c'est pas sûr. Donc on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui veulent toutes les redifs, petit rappel, sont sur ma chaîne YouTube. Vous tapez dans le chat point d'exclamation YouTube tout en minuscule et vous pourrez accéder à ma chaîne et puis tout simplement avoir accès à toutes mes redifs. Voilà. Bon. Bon. La salle d'attente vient d'être créée. Je suis le seul connecté dessus. Avec Lost, bien sûr. Donc je bascule dès qu'il y a un peu plus de monde. En attendant, je vais quand même vous lister un petit peu les noms de mes adversaires du jour. Alors, que je retrouve la liste. Dans notre groupe, nous avons un Portugais. Il s'appelle José Pereira. On l'a déjà vu sur mes lives, je pense, si je ne me trompe pas. Ensuite, en Belge, nous avons Defred et Gilbert. En français, nous avons Tristan DB et moi-même. En italien, nous avons notre host Davy et Emperor of Po. Vous l'avez déjà vu aussi sur les lives. Ensuite, nous avons Hardy, qui est un Danois. Donc voilà. Ensuite, nous avons deux Espagnols. C'est Tony Jaca ainsi que Jackster. Et enfin, pour finir, un Suisse qui se nomme Leano. Donc voilà notre groupe. Ça se passe en 3 rounds. Il va falloir faire des gros temps. Si on passe en dessous... il va falloir faire des gros temps, passer en dessous des 10 secondes de 1, ce serait bien. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal.
Donc vous savez quoi, moi je vais vous balancer sur le jeu. Voilà. Petit écran noir, ça c'est juste le temps que ça s'affiche. Normalement tout est bon. Vous voyez que ça commence à rejoindre tout doucement. Voilà, voilà, bon. Ça commence à rejoindre tout doucement, hein, vous pouvez le voir. Il nous reste quand même un petit peu de temps avant. Bon, 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 bon. Ça va pas tarder à arriver, là. Nous sommes déjà 5. Nous sommes déjà 5. Ça ne va pas mettre trop de temps, censé, de toute façon, à 45. On lance. Et puis, voilà. Bon, 200 mètres lancés. On va voir, de toute façon on a 3 essais. J'essaie d'aller me renseigner sur le règlement alors que nous avons encore. C'est José Pereira qui se connecte à notre salle d'attente. J'essaie d'aller retrouver les règlements exacts de l'épreuve. Et comme ça, on va pouvoir en discuter un petit peu. On va pouvoir en discuter un petit peu, ça va être cool. Bonne ambiance, tout ça ce soir. Alors... quelques minutes avant de lancer. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Alors, track 200 mètres. Ok, ok. J'ai pas plus d'infos que ça. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je prenne des screens. Mais encore.
bon bonbon. Alors. Ça manque encore un peu de monde, hein. Nous sommes actuellement 6. Ça ne va pas tarder à lancer. En attendant, j'en profite pour passer un petit coup de pub à mon tournoi. J'organise, pour ceux qui ne savent pas, un petit tournoi PCM sur piste. Donc ceux qui veulent, je vous mets le lien du Discord dans le chat du live, comme ça vous pouvez aller sur le Discord et je vous expliquerai, enfin vous aurez tous les détails tout simplement du truc. Donc voilà, je vais lancer le lien maintenant. Voilà. Et puis rejoignez ce Discord et vous allez voir, on va bien s'éclater. Il manque encore un peu de monde pour lancer le tournoi. Ce serait dommage de ne pas pouvoir le lancer. Ce serait vraiment dommage. Alors, toujours personne qui a rejoint. Bon. Alors, est-ce que ça rejoint? Désolé pour les écrans, c'est-à-dire que je rebalance sur le jeu. Parce que comme vous le voyez, il est en plein écran. Donc voilà, c'est pour ça, mais... J'ai deux écrans, mais j'en ai... Il me manque un autre, en fait, pour avoir Discord. Parce que là, j'ai mon live avec le chat d'un côté. Enfin, mon logiciel de streaming. Après, j'ai le jeu, mais... Discord est en dessous du jeu. Donc voilà. Bon. Bon. Un petit peu d'attente. Non, on va pas tarder à lancer. Bienvenue à ceux qui rejoignent le live. Nous sommes toujours 6 seulement. C'est trop peu. Je sais pas combien exactement nous devons être. Mais nous devrions.
bon moment. On va pas tarder à lancer, peut-être un petit round d'essai. Et allez, c'est parti. On va pas tarder à lancer, on va pas tarder à lancer. Il y a plein d'absences. Bref. Bon, nous on va lancer, on va pas tarder à lancer, ça va être... On va voir ce que ça va donner. On va voir. Ça, je commence à choisir ses coureurs. On va prendre le nôtre. Voilà. Que vous êtes chaud. Moi je suis chaud pour me qualifier en tout cas. Je veux savoir qu'on a 3 passes sur 6. J'ai pas le temps de poser ma question. C'est pas grave, on va se préparer, hop. Alors, ne m'en voulez pas si vous m'entendez spam la barre d'espace comme ça. C'est juste que bah, il faut. C'est juste qu'il faut. Donc le début c'est bien, on se met en jambes. J'essaie de régler le problème là, que parce que je vois qu'il y a peut-être un petit... Ça bug un petit peu sur mon live. Du coup, je vais essayer de régler ça pour la prochaine manche. Je vais baisser un petit peu mes fenêtres graphiques et tout ça. Parce que là, c'est vraiment pas agréable pour vous, je pense. Allez, on s'approche des 300 mètres. Et c'est parti. On fait 10-193, c'est pas assez. C'est pas assez. Très déçu. C'est vraiment bizarre là, mais ce qu'on me fait ma carte graphique. On est cinquième malheureusement. C'est compliqué. On va baisser tout de suite les options. On va mettre en très bas, on va enlever les ombres et tout ça, hop, voilà. Allez. Again, hold tight, you're
faire un petit truc en attendant. Hop, voilà. Hop, excusez-moi pour ça. Alors au niveau des graphismes, bon non, ça devrait le faire. Bon. Ça se connecte. Allez, on va partir pour la deuxième manche. On prend le meilleur des trois rounds. Donc on a encore toutes nos chances. Il faut que je descende un poil plus tôt en fait, parce que j'ai pas assez de vitesse. C'est pour ça. On a encore toutes nos chances. Donc là, et ben le but c'est simple. Si on passe en dessous des 10-2, il y a moyen d'être dedans. Il y a moyen d'être dans les 3. Il y a vraiment moyen d'être dans les 3. Ah, d'un coup, c'est plus fluide pour vous. Et j'espère que ça a porté chance. J'espère que parce que ce sera plus fluide pour vous, que je vais pouvoir faire un meilleur temps. Allez. Allez, là, il faut vraiment rentrer dedans. Allez, on a 300 mètres quasiment. Il va falloir commencer à accélérer. Allez, on spamme la barre d'espace. Et là, 1065, on s'améliorait. C'est déjà pas mal, mais c'est encore un peu trop. Juste pour passer à mon avis. On va aller voir ça. Non, ça passe toujours pas. Il faut vraiment passer si on passe en dessous des... Si on passe en dessous, c'est bien, tu vois. Mais là, c'est un peu trop... Et si je regarde... Ah mince, j'ai pas eu l'autre. J'ai pas pris au bon moment l'autre. Ouais. Quel dommage, mais bon, c'est pas grave. Ok. Bon. Bon, dernière manche, il faut vraiment tout donner. Il va falloir vraiment tout donner là, c'est chaud. On n'est pas qualifié pour le moment. C'est dur à dire, mais on n'est pas qualifié. Bon.
Bon, il va falloir vraiment tout donner là. C'est chaud. Je me rends compte que je suis pas hyper bon. Je suis pas hyper bon en ce moment. Il y a que... Comment dire? Il y a que en Keraine où j'ai tenu. Là, à mon avis, ça part sur une deuxième chance aussi, malheureusement. Et là, ça va être plus compliqué. Ça va vraiment être très 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 compliqué, hein, la deuxième chance. Okay. Donc pour l'instant, les qualifiés, voilà, sont à 10.112, donc il faut passer en dessous pour être qualifié. Et là, ça va être vraiment tendu. Parce que moi, j'arrive pas. J'arrive pas, mais c'est pas grave, on va tout donner, puis au pire après il y a l'omnium pour se rattraper, et puis il y a la seconde chance bien sûr, mais l'omnium ça va nous permettre de refaire, même si là ce sera un round qui va compter. L'omnium ça nous oblige à en refaire. Il faut tout donner. On aura fini dans quelques minutes. Après une longue pause. Une vingtaine de minutes. Un gros quart d'heure. Et après on attaquera l'omnium. Ça va durer une bonne demi-heure. Demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Donc on va voir. On va voir. Puis bah, que le meilleur gagne. Oups. Alors si je commence à trop appuyer, ça ne va pas le faire. Allez, montons tranquillement à 600 mètres de la ligne. Il nous restait 2 tours. On commence tout doucement à accélérer, petit à petit. Et là, il va tout falloir envoyer. Spam la barre d'espace. Allez, là faut 10-136, c'est mieux. Malheureusement, c'est pas suffisant pour passer. On va faire 4ème, je pense. Je pense que nous allons faire 4ème. Et ben non, il y a même Leano qui nous passe devant ainsi que Hardy. Bon, bah voilà. Ce fut rapidement expédié. Je vais finir dernier du groupe. Excellent. Excellent tout ça. Alors, est-ce qu'il y a déjà les résultats? On va aller voir s'il y a les résultats. Et si oui, je vais vous les mettre sur
Je vous les mets sur le live. Alors, déjà on peut enlever ça, on peut abandonner. Yep. Tac 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 tac. Alors, ça va être dans first round ici. Donc on a le premier. Ouais, on va faire ça. Voilà. On a le premier groupe, le groupe A, c'est Politidi qui s'impose devant Water Blast et Lyon, notre capitaine qui passe avec 10.143, pardon. Donc ouais, bien joué à lui. Il aura un groupe plus facile. Là, ce que je vois. Est-ce qu'il y a un autre groupe? Non, toujours pas. Alors, je vous présenterai. Ah oui, ça. Ça c'est du. Pour ceux qui veulent, il y a le Discord hein, aussi que vous pouvez rejoindre. Et le groupe C, c'est Flox. C'est Flox qui s'impose. On va voir s'il y a eu des mises à jour. Il y a John Vino qui a rajouté. Alors, ça donne quoi? Ça donne Alperé. John qui fait 4 pour 4. Ouais, John Vino qui est pas qualifié. Nos résultats ne vont pas tarder à arriver, j'espère. Je ne dis à personne encore qui les a rentrés. Ça met du temps à s'actualiser, hein. Bon. Dès que je les vois, je vous les remets, ne vous inquiétez pas pour ça. En attendant, on va repasser ici. Tranquillement. Et après, on va partir en Omnium d'ici quelques instants. Toujours pas nos résultats, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai dès que je les aurai. Alors. Alors il y a Giovanissimo, c'est pas notre groupe. Et au niveau des Français, non, il y en avait. Ah si, il y a Guessing 31 qui est qualifié. Voilà, on peut le voir. Avec 10-116.
c'est compliqué, hein. Moi, je sais pas du tout, mais j'ai l'impression d'avoir un groupe hyper serré, hein. Parce que si je finis dernier, est-ce que c'est ce que je pense. Avec 10-133, c'est pas de chance. C'est pas de chance, mais bon. Après, du coup, c'est dire que ce sera un petit peu plus facile en seconde chance, que je ferai bien sûr la semaine prochaine. Alors, est-ce que notre ami Davy a mis les résultats? Non, par contre, nous avons des qualifiés encore en France. Floxing qui est qualifié avec le groupe de Slomi. Les résultats de ce groupe s'affichent à votre écran. Ouais, pareil, 151, mais... C'est quoi le groupe que j'ai eu? C'est quoi ce groupe? Quoi ce groupe? Hop. Allez, est-ce que il y a nos résultats? Toujours pas malheureusement. Le processeur est un peu surchargé. Ça redescend un petit peu. Ouais, c'est le temps de charger les pages et tout ça. Bon, toujours pas de réponse sur des pour notre host. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des résultats qui sont arrivés? Non, toujours pas. Toujours pas, je vous tiens au courant.
attend toujours un petit peu. Toujours pas de news pour mon groupe, malheureusement. Bon. Tous les groupes ont eu leurs résultats sauf le mien, normal. Allez, là, ce serait bien de l'avoir quand même. Eh ben, toujours pas. Quelle tristesse. J'attends avec impatience mon résultat, vous ne pouvez même pas savoir. Ah non, toujours pas. Toujours pas. Arrivé, je suis désolé. Nos résultats ne vont pas tarder à arriver. Ça arrive dans quelques minutes, il peut pas encore upload. Bon, moi j'arrive, je fais une petite pause et je vous reprends dans 4 minutes avant. A tout de suite. We'll be right back.
On se retrouve après cette petite pause. Toujours pas de résultats en ligne, hein. J'ai regardé avant de vous reprendre. C'est check sur mon téléphone. Parce que maintenant je retourne sur PCM. On va plus s'occuper des résultats. Si je vois les résultats, bah, je vous tiens au courant. En même temps, qu'à course, on a l'Omnium. Alors, juste Omnium, je suis dans quel groupe? Si j'ai pas de conneries, je suis groupe A. Ouais, exact. Alors, groupe A n'est pas encore créé. Bon, toujours pas de résultats pour nous pas. Je suis venu arriver dans le pire groupe. Hein. Je suis vraiment arrivé dans le pire des groupes. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, nous on va attendre que notre groupe arrive d'ici quelques instants maintenant. Et puis on va pouvoir lancer la deuxième épreuve de ce soir. Alors que je suis toujours en attente de mes résultats, hein, je le rappelle. Ah, groupe A. On retrouve notre host de tout à l'heure. J'espère qu'il est en train d'essayer de régler le problème. Hein. Ce serait vraiment cool qu'il arrive à mettre les résultats. Parce que moi j'attends que ça. Toujours pas. Toujours pas. C'est pas grave. Ça va arriver. Du coup, on va vous présenter notre groupe en attendant. Alors, notre groupe. Notre groupe, c'est le groupe C. A. Groupe A. Groupe A qui est composé de 16 personnes inscrites. Est-ce que les 16 sont là? Non, en tout cas, ça commence à rejoindre. Du coup, on va basculer sur le jeu. Voilà. Alors, mon groupe. Mon groupe, c'est... C'est notre host, l'italien Davy. Ensuite, nous avons... Un portugais, c'est José Pereira. Ensuite, nous avons deux belges, Beat Cycling et Jordi de Marie. Ensuite, nous avons quelques français. Nous avons Frico, nous avons Luxa Schleck et nous avons moi-même. Nous avons deux espagnols, c'est Mendez et Urbesmar. Ensuite, nous avons un autre italien, c'est Franchi et Orabona. Compliqué à prononcer tout ça. Ensuite, nous avons un néerlandais, c'est Jimski. Nous avons un polonais, Dodo Saka. Nous avons un danois, c'est Mario Meda. Nous avons un russe, Luki Novik. Et nous avons un ukrainien, Rafa. Donc voilà, un gros groupe. On va voir si tout le monde revient. Si tout le monde gagne. Puis, on va pouvoir voir. Alors. Toujours à la recherche de mes résultats en attendant. Ça ne change pas. Toujours pas. Bon, à mon avis, on les aura plutôt demain. Ce n'est pas grave.
ce n'est pas grave du tout. Ça arrive, hein, c'est comme ça. On va voir ce que ça va donner. Alors le même, on va voir ce que ça va donner, sachant que c'est pour ce point, si je la gère bien, ça va le faire. Et le reste scratch, c'est possible. Éliminateur c'est plus compliqué et il y a moyen de faire une bonne place quand même en 200 mètres lancés. Donc on peut se qualifier. On va voir. Allo. Écoutez, en attendant, je sais ce qu'on peut faire. On peut aller checker s'il n'y a pas de résultats. Pourquoi pas? Mais même si ça m'étonnerait qu'il soit arrivé d'ici là. Quoique. Oups. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Lol. Alors. On va enlever ça justement. C'est bon. Bon, alors, c'est retardé dans 10 minutes, parce qu'il y a eu un groupe qui a un petit problème. Une histoire de screen pas pris et tout ça, donc c'est dommage. C'est dommage, mais bon, ça arrive. Ok, donc là, c'est le même cas que les grosses épreuves de piste. C'est le premier du groupe qui va direct en finale. Et de 2 à 5e... sur le round 2 en demi-finale. Donc voilà. Donc nous on est encore parti pour attendre une dizaine de minutes encore. Donc je sais pas trop ce qu'on peut faire en attendant. Il y en a qui partent
se chauffer ou je sais pas trop quoi. Pourquoi pas. Moi j'ai comme ça au calme. Alors. Bon. Sinon. Sinon. On va se connecter, là ça commence pas mal. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. On va pas tarder à reprendre encore quelques petites dizaines de minutes avant de reprendre, avant de commencer tout simplement la deuxième épreuve du soir. Là c'est deuxième épreuve du soir, c'est l'omnium. L'omnium c'est quoi? C'est tout, c'est quasiment tout, c'est du 200 mètres lancé. C'est de la course au point, c'est du scratch et c'est de l'éliminatoire. Tout ça, on marque des points à chaque épreuve et après on fait le classement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. En attendant, on va aller voir ce que donnent nos résultats. Encore une fois, ce qui ont été mis, parce que on voit que Davy ne parle pas trop. Est-ce qu'il serait pas en train d'essayer de mettre nos résultats de l'épreuve d'avant, le 200 mètres lancé? On ne sait pas, on peut se le demander. Et malheureusement, non. Bon. De recréer une partie. Ça va recréer une partie. C'est pas grave, c'est pas grave. Attention, on a un petit peu de temps. Allez, on se reconnecte et on est de retour.
Alors la prochaine course, c'est le scratch. Ouais, il y a du monde qui rejoint, là on est combien? On est 2, 3, 4, 5, 6. Il manque encore 10 personnes. Ça va arriver au fur et à mesure. Il nous reste encore 4 minutes d'attente. Et après ces 4 minutes, on va pouvoir lancer le scratch tout simplement. Ça va être cool, ça va être bien. On va s'éclater, c'est le principal. Mais le but, c'est aussi d'aller chercher la qualification pour les demi-finales en finissant 5e de notre groupe. On va voir ce que ça va donner, sinon, comme d'hab, je suis habitué maintenant, depuis le début de la compétition, à partir en seconde chance, puisque je me suis qualifié que pour une épreuve sur 4-5 pour l'instant. Donc bilan plus que négatif pour ma part. Mais bon, on va voir ce qu'on va donner après les secondes chances. On va voir ce qu'on va donner, puis bah... Bah voilà, hein. C'est le jeu, c'est tout, c'est comme ça. En attendant, si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à aller me suivre sur Twitter. Le lien est en haut à droite de mon overlay. Enfin, c'est pas le lien, mais c'est mon pseudo, enfin ouais. On fait ça comme ça. Allez me suivre, comme ça vous serez informé de tout ce qui se passe au niveau des vidéos sur ma chaîne YouTube, au niveau de mes streams, au niveau du tournoi que j'organise, puisque je retweet forcément de nombreux tweets du compte du tournoi. Puis on est là. Il se passe des trucs sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à aller follow. Pas mal. Et puis pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait aussi, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube qui est cette fois à gauche de mon overlay. Tapez Cyprif dans la barre de recherche YouTube et normalement vous tombez sur moi. C'est le même logo que sur Twitch, que sur Twitter. Allez, on va pas tarder à lancer là. Quelques minutes, c'est une question de minutes maintenant. Allez, nous on va pas tarder à lancer. Il est 39. Hop. No control over where.
Allez. Pas tarder à lancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes 8 et la moitié des joueurs, c'est-à-dire qu'il y en a 3 qui ne seront pas qualifiés. Ça peut peut-être le faire, ça peut peut-être le faire pour nous. Ok, bon, ça repart sur des épreuves divisées malheureusement, puisque il peut y avoir des problèmes de crash, c'est-à-dire qu'il faudrait tout refaire, et là ce serait chiant. Ce serait chiant du coup, bah, on repart là-dessus. Allez, il va falloir recréer. On va voir quand est-ce que ça se lance. Peu de retard hein, pour les dernières épreuves. Pas grave, ça fait un stream qui a duré plus longtemps. Du coup, je regarde s'il n'y a pas de résultats qui tombent. Toujours pas. C'est à venir. On est là, on est dans la place. Attends que ça joigne un petit peu et puis on va pas tarder à lancer là. Ça fait un petit peu en retard malheureusement. Déjà un quart d'heure de retard. We could run. Un petit quart d'heure de retard. Mais ça commence à join en masse. C'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Que
que se passe-t-il pour l'organisation? Là, ça devient un petit peu long. Ça devient un petit peu long. Allez, là on va partir sur la course au point. On aura jusqu'à 22h30 hein, là je pense. On va commencer vraiment en retard ce soir. C'est tout, c'est comme ça arrive. C'est juste bien que Davy commence à lancer le truc là parce que... Ça va faire un peu long sinon. Ça va faire un peu long. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas de résultat par hasard. Toujours pas. Allez, c'est parti. On va lancer. Donc là, ça course au point. La course au point. Ça venait. Là, il faut vraiment tout défoncer. On est 8, il y en a 5 qui sont qualifiés. Là, il faut vraiment que je saisisse ma chance. Il y a 3 qui ont en seconde chance, c'est rien, et j'estime pouvoir les battre, c'est pas compliqué, donc allez, let's go, on porte nos balls et on y va. Alors hop, on choisit. Hop, et voilà. Allez, il va falloir y aller là. Allez, c'est parti. Première épreuve de cette... première manche de cette deuxième épreuve de la soirée. On part sur de l'Omnium avec la manche de la course au point. Tout d'abord. Course au point, vous l'avez vu il y a 2 jours. Allez.
Ouais, là, je sais pas ce qu'ils font, mais allez, les bots, please. Allez, on prend la rune Mendes. Il va falloir aller chercher le bois, malheureusement c'est un peu bloqué. Allez, là faut qu'on aille prendre des points devant Davy. Ce serait cool. On va finir deuxième. Bon, ça commence bien. Ça commence bien cette histoire. Il faut continuer. On va continuer et puis on va voir. Allez, on va encore prendre des points là. Non, malheureusement non. On va se faire passer, je pense. C'est tendu. On n'aura pas pris de points là. Oula, j'ai fait n'importe quoi avec ma barre. Allez, il faut aller rechercher. Allez, on prend les roues. Et on va prendre quelques points, j'espère. Yes, on a pris un point. On aura pris un point, c'est pas mal. On est meilleur qu'il y a deux jours. Davy, mais elle a l'air pas dégueu. On va accélérer doucement. Ouais, ça va être compliqué là pour prendre des points. Quoique non, on a réussi à se faufiler.
Et on va revenir égalité avec Mendes. Bonne opération. Bonne opération pour notre part. Et là, faut pas par contre se faire distancer, ce serait vraiment dommage. Allez, on va le faire attention à truc là, parce que il peut me passer devant, et ça, ce serait dommage. Alors que ça commence déjà à accélérer. J'ai pas envie de les emmener, moi. Oh là, je me suis fait bloquer, c'est terrible. Malheureusement non, j'aurais ils m'ont fermé la porte, c'est dommage. Et devant il y a JMNL, enfin J truc là qui va reprendre des points. Le coureur néerlandais. Ouais, faut reprendre de l'énergie. Dernier sprint compte double, on a encore toute notre barre. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. J'ai du mal à récupérer là. On va prendre la route Davis, c'est pas mal comme route à prendre. Ouais, surtout ne pas se faire bloquer là. Allez, c'est parti. On va prendre des points. On va prendre la troisième place. Allez, il faut qu'on la prenne. Faut qu'on la prenne et là ce serait énorme. Faut pas que le Polonais nous vienne dessus, surtout pas. Et c'est bon, on finit troisième. On se met à la cinquième place de cette épreuve. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est déjà mieux que. C'est déjà mieux qu'avant-hier. Ça nous permet de. Là, on aurait fait ça avant-hier, on serait qualifié. Désolé pour ce petit écran noir, c'est normal. Parce que je passe à la page des résultats, on va prendre le petit screen. Oula, le petit screen, pardon. Hop. Moi, je vais le mettre à côté sur un logiciel. Ou alors, non. J'essaie de voir si c'est possible de le mettre sur mon bureau. Malheureusement, non. Bon. On va le mettre sur un éditeur d'image et puis c'est pas grave. J'ai enregistré sous. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut qu'on reste comme ça. Si on reste comme ça, on est bien. Comme ça, on est pas mal. On va attendre la prochaine épreuve. On l'attend avec impatience.
Yes, c'est parti. Et là, on va partir sur du scratch. Le scratch, ça peut aussi être intéressant. Il nous demande de retenir des trucs, vous imaginez même pas, moi j'ai noté quelque part parce que c'est un truc à oublier ça. Il est un peu long, lui, à rejoindre. Bon, il faut qu'on attende encore un petit peu. Bon. On part dans 2 minutes pour le scratch. Dans 2 minutes, plus qu'une minute maintenant.
Je suis désolé hein, si je parle pas trop, mais... La fatigue en plus et tout ça... Faire un long live, hein. Quasiment 2 heures. Allez. Pareil, mais il faut faire une bonne place. Si on fait 4e ou 3e, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti pour le scratch. On est plus beaucoup, hein. On est 9. 9. Même pas, je crois, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes 7. Et il y en a 5 de qualifiés, donc... On va voir ceux qui veulent partir. Déjà de faire le petit trou. Et c'est parti pour quelques kilomètres. Bon, ça semble tranquille, hein. À mon avis, il va pas y avoir d'échappée, ça va jouer au sprint. On se souvient de... c'était quand? C'était mardi? Mercredi soir. C'était un peu plus bazar que ça, c'est normal. C'était la première, puis là on commence à savoir comment ça se passe tout ça. On commence à connaître un petit peu les personnes contre qui on joue, donc... ça se regarde, ça s'observe plus, c'est un peu plus stratégique. Là, il y a quoi? On est 7 et il y a 5 places, quoi. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Juste pas la première place, parce que je sais que je pourrais pas, mais... Allez, quoi, il faut se qualifier, là. C'est bien, c'est un joueur qui impose son rythme. Il se fatigue tout seul. Il n'y a personne qui va prendre le rôle, hein, s'il continue comme ça. Il nous emmène. Allez. Il reste 2,7 km maintenant. C'est vraiment tranquille. C'est vraiment tranquille.
Il nous emmène, mais genre au calme. La personne qui va aller prendre de relais, hein. Mais genre, s'il continue comme ça, bah tant mieux, hein, parce que lui, il se fatigue. Et Jim, il a compris, hein. Il reste dans la roue et puis... Allez, plus de 2 km. Il reste 2 km. Pauvre Zorad. Allez. 1750. Ça commence à accélérer doucement. Ça se replace au niveau de Davy. On a pris de l'énergie là, c'est dommage. Oh, je me fais bloquer. On voit que ça se commence à se regrouper, que c'est la fin. Allez, on a 500 mètres. Oh non, c'est bloqué. Allez, faut qu'on aille chercher la troisième place là. Yes, troisième. Troisième, c'est pas mal. Troisième, c'est pas mal. C'est quoi la touche pour parler déjà? Je m'en souviens plus. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va prendre le petit screen comme il faut. Hop. Allez, on prend le screen bien. Collé, voilà. On va rester sous et on va le mettre sur mon bureau. Allez, on part sur du 200 mètres, là ça va être l'épreuve rapide, après ce sera fini.
Hop, on perd pas de temps. Allez, nous on est parti pour le 200 mètres lancé, là ça va être rapide. Et après on va finir sur l'éliminatoire. L'éliminatoire, je suis pas bon. Mais c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. Allez. Allez, 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 allez. Il faut vraiment faire une bonne place, là, ce serait cool. Si je suis une bonne place, c'est bien. Si je suis dans les 5, c'est parfait. J'ai eu des petits lags malheureusement. Et ça va me porter préjudice. C'est pas normal. C'est pas normal, j'ai lagué à mort. J'ai lagué, ça c'est triste. C'est vraiment triste. Enfin vraiment un temps de merde là. Je suis pas le seul. Vous voyez, ça lag encore, donc et ça va, je suis cinquième. Ça va, ça va, ça va. On va prendre le screen habituel. Bon, allez, plus qu'une épreuve. Plus qu'une épreuve, après on peut être qualifié là. Faut finir dans les 5 premiers. Yep. Bon allez. Plus qu'une épreuve, c'est l'éliminatoire.
Ah, il a pas de classement virtuel, c'est dommage. Ça veut dire qu'on est obligé de faire dans les 5 hein, si on veut qualifier. Peut-être une 6ème place, mais je suis pas sûr. Si je suis 6ème, je suis pas sûr d'être qualifié. Si je suis 5ème, je suis sûr d'être qualifié parce que j'aurais fait 5, 3, 5. Allez. Éliminatoire pareil, je suis pas hyper bon. Mais bon, on va essayer de s'améliorer. Il y a quelqu'un qui m'a donné quelques petits conseils, du coup on va essayer de les mettre en application. Attention parce que là ça commence déjà très très fort. Et je suis à l'intérieur. Allez, faut qu'on prenne les roues. Faut pas se faire bloquer, restez vigilant, la faute. Full focus. Et ça lag. Hein. Ça lag à mort. Encore une fois, on n'est pas éliminé. Et là, c'est un coureur réel qui va être éliminé, donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus qu'un à éliminer devant moi, et c'est bon, et je suis qualifié. C'est bon. Et moi, faut que je reste concentré à mort. Je suis désolé, là, je vais pas lire le chat. Et c'est un coureur réel qui est éliminé. Donc c'est bon, on est qualifié pour la suite. Si je me suis pas trompé dans les calculs. Ouais, là par contre je me fais enfermer. C'est pas grave. Oups. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé. Je vais m'excuser. Bon là j'ai mal géré, je sais que j'aurais pu faire mieux, mais je suis qualifié, c'est le principal. Bon. Je vais vraiment plus le faire, mais
Je sais que je me suis fait enfermer débilement. Mais c'est à retenir pour les prochaines fois. Alors là, est-ce qu'on va avoir un joueur réel qui sera éliminé? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un Danois qui va se faire éliminer quand ce soit l'Espagnol. Non, c'est Waterblast, mais il n'est pas dans notre groupe. Bon, en tout cas, moi j'ai fait 5ème joueur réel. Donc ça va. Ça va. Bon. On va vraiment pas tarder à arrêter le live parce que ça va faire 2 heures de stream quasiment. Et là c'est l'Australien qui va se faire éliminer. Mais pareil, c'est un bot encore. J'aurais vraiment pu mieux faire, mais bon, je me suis un peu fait enfermer, donc c'est dommage. Mais c'est le jeu, c'est tout. Je ferai mieux avec... du round poursuivant et avec notre équipe, la Galaxy Cycling, pour les épreuves par équipe. Et là, c'est un Français qui a Serge Arte, mais c'est un bot. C'est un bot. Je suis bête, mais j'ai le nom en fait. J'ai le nom des joueurs. Bon. Mais là, par contre. Qui se fait éliminer, c'est Beat Cycling. Ça, c'est un joueur réel. Mais attention, au Portugal, il ne pas trop se faire lâcher. Ce serait dommage. Là, le portugais, il est vraiment en difficulté. Non, ça va. Et c'est le français sans bot encore une fois. Un bot qui se fait éliminer. Allez, il reste quoi? Il reste... Il reste Davy, il reste José Pereira, il devrait rester Mendes. Un joueur. Ah, ça. C'est ça. 3 joueurs réels pour 6 joueurs. 6 joueurs en tout. C'est-à-dire qu'il y a 3 bots. Et t'as vu, je suis fort en maths. C'est pas mal. Et attention, là ça va être un bot qui va se faire éliminer.
Allez, ils sont plus que 5. Avec 3 joueurs réels. Un italien, un portugais, un espagnol. Là c'est un bot qui a se faire éliminer si je ne me trompe pas. Ouais. Allez, on approche de la fin. On va savoir qui va s'imposer. Un italien, un espagnol, un autre italien mais c'est un bot et un portugais. Attention, attention, il reste encore un bot, ne pas se faire... Je n'ai pas le bot, non, c'est bon. Bon. Ah, il reste 3 joueurs réels. Maintenant, on va voir vraiment qui va s'imposer. Je rappelle les noms, il reste Davy, il reste Mendes, il reste José Pereira. Désolé pour l'écran noir, alors c'est Davy l'italien qui a été éliminé. Et dernier tour. Espagnol contre portugais, qui va s'imposer? L'espagnol est bien parti pour le rattraper, mais non. Mais non, c'est le portugais qui va aller s'imposer. Voilà, c'est un petit rollback. Hein. Quelques petits rollbacks, malheureusement. Allez. Alors pour prendre le screen. Hop, hop. Voilà. On va donc terminer et puis moi j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de soirée. On va couper la musique. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de la PCM World Cup. Bye bye tout le monde.